Good morgen, allez, Iden, les tueurs aujourd'hui, le Nishmat, Moriba, Bishmuel, Ben Shlomo, Zalman, Nissim, Ben Ahouda, Sarabatrana, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Richard, Batrim, Nechemia, ainsi que leur fois, Abraham, Ruben, Ruth, Petor, Shaf, en Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le Sacrement éternel. Nous étudions Maserhet, Sbachim, Perikret, Mishnah, Tet. Anitanim, le Mata, Shinit, Arvou, Banitanim, le Mala. Rabbi Eliezer, Omer, Iten, le Mala, Veroe, Ani, et Atartonim, le Mala, Kelu, Hen, Maim, Verzor, Veiten, le Mata. והחכמים אומרים, ישפכו למה? ואם לא נמלח ונתן, כשר. On continue. פרק התערובת, les mélanges. On a parlé des mélanges des corbanotes dans d'autres animaux. On a parlé des mélanges de sang dans différents produits, d'eau, de vin, dans des behemoth qui étaient psoulotes. On a parlé des mélanges de sang, dans la mission précédente, dans des sangs qui étaient des balémoum. Des animaux amputés qui avaient un problème, qui ne pouvaient pas monter sur le misbar avec un interdit. À présent, on va commencer à parler de mélange de sang, de corbanotes différents. Tout d'abord, premièrement, lorsqu'on va voir du sang de Ola qui va se mélanger avec du sang de Hacham, par exemple, si vous vous rappelez, on apprenait dans le Mishnah, dans le Perek de Ezeu, Mekomach HaZevachim, que tous les deux doivent être versés de la même façon, de la même manière sur le misbar. Shtaim, Shain Arba, on va dans les deux coins, Mizrachit et Matzmet, donc Mizrachit Tzvonit et Maharavid Matzmet, Mizrachit Tzvonit et Maharavid Romit, Sud, Est, ouais c'est un peu dur, très dur, Mizrachit Tzvonit, Nord-Est et Sud-Ouest, en haut, d'accord? Si on a le Misbar devant nous, avec le Kevesh comme ça, on monte, donc ici ce coin-là et ce coin-là. Ok, on verse, donc ils doivent verser de la même manière, donc du Hacham qui va se mélanger avec de la Ola, il n'y a aucun problème, tu prends les mélanges, tu les asperges, et donc tu es en train de faire une double mitzvah en ce moment, tu asperges le sang de la Ola, le sang du Hacham. Pour le moment, tout va très bien, là la Mishnah n'en parle même pas de ça, tellement que c'était évident. Le problème va se poser lorsqu'on va voir deux sangs qui avaient des destinations différentes, par exemple, du sang de Khatat dans du sang de Ola. Pour rappel, le Khatat, l'aspersion du khatat, alors il faut monter sur le kevesh, partir dans les quatre coins du misbéar, passer à chaque coin, et avec le doigt, le kohen trempait dans le misrak, il posait du sang sur chacun des quatre coins du misbéar. Une fois qu'il redescendait, il allait verser les restes sur le yesod, sur le socle du misbéar. Ok, c'est important, ça va nous aider pour expliquer un détail. C'est-à-dire finalement, le sang du khatat, il a deux destinations. Tout d'abord, essentiellement, les karnot amisbeach, et ensuite le verset sur le yesod. Tandis que la ola, alors la destination du sang, elle est de l'asperger en bas, sans monter sur le kevesh, asperger dans les deux coins du misbeach, de manière à ce que ça va toucher les quatre coins. En fait, d'accord ? Ouais, pour rappel, quand on va dans un coin, on asperge en diagonale, comme ça on va toucher les deux coins, et comme ça on s'acquitte d'avoir asperger sur les quatre coins, mais en bas, sur les quatre faces du misbéar, mais en bas. C'est très important, parce qu'on a une grande règle, que il y a des sangs qui ont une destination en haut, et des sangs qui ont une destination en bas. Et là, donner du sang qui avait une destination en bas, le verser en haut, ça invalide la consommation du korban. Le propriétaire s'acquitte de la mitzvah, d'apporter le korban, mais le korban devient interdit au kohanim. Je m'explique. Par exemple, on va prendre un cas où il y avait un khatat qu'on aspergeait en bas. Alors, je me suis acquitté de mon devoir d'apporter le korban khatat. Je n'aurais pas besoin d'apporter un autre khatat. Ça m'expie ma faute. Mais la viande ne pourrait plus être consommée par les kohanim. Idem s'il y avait un hacham. D'accord, j'ai apporté un hacham à cause d'une avéra que j'avais fait. J'ai apporté un hacham qui devait être consommé par les kohanim en théorie. Au lieu de le verser en bas, le kohanim est parti le verser en haut. Eh ben, dans la moitié supérieure du misbéar, je me suis acquitté de mon devoir, mais la viande ne pourra plus être consommée. D'accord ? Alors maintenant, la Mishnah va nous dire, qu'est-ce que tu fais lorsque deux sangs se mélangent dans un même misrak ? Tu as cru que c'était la même espèce, tu les as mélangés, et là tu réalises que tu as mélangé du khatat avec une ola, avec du sang de ola, avec du sang de hacham. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as deux destinations différentes. Je vous dis tout de suite la solution de Chachamim, c'est le plus facile. T'es bloqué, t'as perdu, tu devras verser ça dans la Hama, tu ne pourras plus le verser sur le misbéach. T'as un interdit, a priori, d'apporter le sang dans une mauvaise destination. Certes,
a posteriori, si tu l'as aspergé, alors le propriétaire s'est acquitté de sa mitzvah. Mais a priori, tu dois faire la mitzvah comme on te le demande, sinon tu ne le fais pas, sinon on recommence, on fera mieux. D'accord? Alors, c'est là le problème. Anitanim le ma'ata shenitarvu, banitanim le ma'ala. Ceux qui devaient être donnés en bas, ouais, la tête donnée au. Au petit matin, ma tête elle marche pas. D'accord? Anitanim le ma'ata shenitarvu, ceux qui doivent être versés en bas, ouais, dans la partie supérieure inférieure du misbeach, shenitarvu, banitanim le ma'ala, qui devaient être versés. Qui se sont mélangés avec ceux qui devaient verser en haut. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, écoute, j'ai une solution. Iten le ma'ala veroe ani et atartonim. Le ma'ala keilu emmaim ve'arzor ve'iten le ma'ata. Alors, iten le ma'ala, qu'il déverse le sang en haut, qui commence à partir en haut et à asperger le sang. Et puis ensuite, pendant qu'il asperge le sang sur les carnots à Misbéar, et je verrai ceux qui devaient être donnés en bas, les inférieurs qui sont aspergés en ce moment en haut, comme si qu'ils étaient de l'eau. Et une fois qu'il descend du kevesh, de la rampe, eh ben, il donnera de nouveau en bas, en aspergeant en bas, et puis après il versera les restes sur le socle. On explique la solution de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est une notion qu'on a déjà vue déjà plusieurs fois. On l'avait vue dans la viande, dans la chair, on l'avait même vu dans le... On l'avait même vu, je crois, dans le sang, on l'avait déjà vu, excusez-moi, je regarde, non, on l'a pas encore vu dans le sang, justement. On l'avait vu, ce Rabbi Eliezer là, ce principe, on l'avait vu essentiellement dans la chair, dans la viande, qu'on va porter les membres d'un corban qui ne devait pas monter sur le misbéar. Rabbi Eliezer avait toujours une solution de nous dire « Ro'in ke'iluhem etim » On va les considérer comme si qu'ils étaient... un combustible, c'est pas de la viande que je fais monter, c'était le principe qu'on avait vu là-haut. Et bien Rabbi Eliezer vient et nous dit, tu sais, lorsque dans ton misrak, tu as du sang de khatat mélangé avec du sang de hola, et tu veux l'asperger en haut, j'ai une solution pour toi. Dis-toi que le khatat, le sang du khatat, tu l'asperges, mais le sang de la hola, tu le considères comme de l'eau. Tu n'as pas d'intention d'accomplir en ce moment une mitzvah d'asperger le sang de la hola sur le misbéach, sans aucune intention. Tu te considères comme de l'eau, de ce fait... Tu gagnes que tu es en train d'asperger le khatat sans que le hola te dérange. Tu n'es pas en train d'asperger. Il est tombé accidentellement quelque part sur le misbéar, un accident un petit peu provoqué, mais en tout cas, il n'a pas été aspergé de manière interdite. Et de ce fait, une fois que tu redescends du misbéar, tu vas pouvoir maintenant asperger le khatat et la hola. Alors là, on a un problème technique. Rabbi Eliezer ne nous a pas dit. Bon, d'abord, je finis ma phrase d'abord. Ensuite, tu redescends, tu asperges le khatat et la hola. Et puis tu verses les shiraïm sur les sod, et le propriétaire s'est acquitté, et les kohanim vont pouvoir manger tous les korbanotes, et tout va très bien. Il y a un problème technique. C'est que Rabbi Eliezer ne nous a pas précisé que lorsque tu descends du kevesh, tu devras voir ensuite le khatat comme si c'était de l'eau. Comme s'il était de l'eau. Il n'a pas eu cette précision, Rabbi Eliezer. Il a dit, ouais, c'est une remarque, mais la solution elle est très simple. Elle est que le khatat, il a la singularité de commencer en haut et de se finir en bas. Pour rappel, une fois qu'on a fini d'asperger le sang sur les carnotes à Misbéar, sur les coins du Misbéar, alors, lorsqu'on redescend, on doit le verser sur le Yesod. Donc, il a quand même une destination en bas, le Khatat. De ce fait, quand tu commences à tu montes en haut, tu donnes sur les quatre coins, tu redescends en bas, tu asperges, certes, tu devais en théorie partir le verser naturellement sur le socle, mais si toutefois tu l'as aspergé, c'est pas grave. De ce fait, tu t'es quand même... tu pourras, lorsque tu vas redescendre, tu pourras l'asperger en fait, l'asperger en bas, et tu t'acquittes de la mitzvah d'asperger la hola, et d'asperger en même temps aussi le khatat en bas, de verser le khatat en bas. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim, ishafechu la ama. Chachamim nous disent, non, tu n'as pas de solution, c'est les mêmes chachamim qu'on avait vu en haut, que en lahem roim, litle uroim, il rapporte le bâton de regarder, ishafechu la ama, de litle uroim. Ils n'ont pas cette zvara de dire roïm. On va considérer comme si c'était de l'eau, comme si c'était du sang. Si un interdit d'asperger, tu n'as plus le droit de l'asperger. D'accord? Tu ne vas plus le considérer comme si c'était des bois. C'était ce qu'il nous disait là-haut. De la viande, tu ne le considères pas comme un combustible. Du sang, tu ne le considères pas comme de l'eau. Ils n'ont pas cette zvara de roïm. Et là, on a un problème dans la Mishnah. Je traduis la suite de la Mishnah et je soulève la question. Veim lo nimlach venatan kasher. Et si toutefois le Kohen n'est pas venu poser la question au Rabbanim, qu'est-ce qu'il a fait le Chacham? Il a dit, ah, ça s'est mélangé,
J'avais appris comme ça, que je prends, je vais l'asperger, je vois comme si c'était de l'eau. Et après, je redescends, je verse. Le Kohen, il a fait ça, alors que Chachamim lui interdisait de faire ça. La Mishnah nous enseigne que sache qu'a posteriori, ce Kohen aura réussi à valider les deux korbanot. Voilà tel que c'est écrit. D'accord? Et le Bar Tanoura nous précise en plus, Da'anitan mimeno lemala. Il a été aspergé, finalement, le korban khatat. D'accord? Donc, finalement, Chachamim nous disent, a posteriori, tu t'es quand même acquitté. Alors là, il faut faire de l'ordre. Il y a un problème. Il y a un grave problème dans cette Mishnah. C'est la question soulevée par les Tosafot dans la Gemara, et qui nous rapporte, que le Tosafot Yom Tov rapporte, Tosafot se trouve en fait dans Perek Bet, sauf Daf Chavav. Il pose une question très pertinente. Je vous ai dit tout à l'heure que tout korban où le sang a été aspergé à une mauvaise adresse sur les Mizbeach, en haut et en bas, on les a confondus, le korban est devenu Passoul. On apprenait ça dans une Mishnah. Fin de Perek Bet, on apprenait ça. Le korban est, excusez-moi, le propriétaire s'est acquitté de sa mitzvah, mais la chair, elle est psoula. Elle n'a pas le droit d'être consommée. Pourquoi? Parce qu'il a été mal fait. Or là, il y a un problème. Chachamim, ils n'ont pas la svara de Rohim. Ils ne pensent pas à cette solution de considérer du sang comme si c'était de l'eau. Ils ne tiennent pas cette svara. Alors s'ils ne tiennent pas cette svara, on a un problème. Lorsque le mélange a été aspergé en haut, le korban Ola, qui, par exemple, ou le korban Hacham, qui devait être fait, apporté en bas, il s'avère que maintenant il arrive à une mauvaise adresse. Donc de ce fait, le korban devrait être pasoul. Qu'est-ce que la Mishnah vient et m'enseigne et me dit kasher? Certes, le khatat, il est kasher, c'est vrai. Mais la Ola, ou bien le Shlamim, alors la Ola, il n'y a pas de problème. Mais le Hacham, par exemple, eh ben, il arrive à une mauvaise adresse, de ce fait, la viande ne pourra pas être consommée. Comment tu peux te permettre de me dire que le korban il est kasher? Et suspense, le Tosafot Yom Tov nous dit, attends d'arriver à la Mishnah Yud Alef et je te donnerai la réponse. Donc on va attendre patiemment d'arriver à la Mishnah de Yud Alef et on verra, Bezrat Hashem, la réponse du Tosafot Yom Tov. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.